La 78e Mostra de Venise a commencé mercredi 1er septembre et tient toutes ses promesses. Classe égale à HRL, Dakota Johnson s'est joint à la fête. Elle y a validé une tendance très sexy et également approuvée par le top modèle Adriana Lima. Avant d'illuminer le tapis rouge en robe décolletée et transparente. C'est pour le film The Lost Doctée, en compétition, que Dakota Johnson a posé ses valises à Venise. L'actrice a été dirigée par la réalisatrice Maggie Gyllenhaal et y donne la réplique à Olivia Colman. Deux femmes avec qui elle a participé à un photocall vendredi après-midi, 3 septembre 2021. Pour l'occasion, l'ex-héroïne de la saga 50 nuances de Grey portait un costume noir Gucci. Sous sa veste, un soutien-gorge également Gucci s'est discrètement révélé. Le cast de The Lost Doctée s'est ensuite retrouvé sur le tapis rouge du Lido pour la projection. Dakota Johnson s'est naturellement changée et a gâté les photographes présents avec une robe décolletée. Transparente et parée de cristaux, toujours signée Gucci. Le créateur de mode Alessandro Michel, directeur artistique de la maison Gucci, n'a pas pu cacher son excitation aux côtés de sa muse du soir. La Mostra de Venise voit défiler les stars, aussi bien actrices que top modèles. Avant Dakota Johnson, Adriana Lima s'y est distinguée. Présente dès la cérémonie d'ouverture et de retour vendredi soir pour la projection du film Dune, hors compétition. La magnifique brésilienne honore une autre maison italienne, Etro. Entre ces deux sorties vénitiennes, Adriana a été aperçue toute de blanc vêtue. En costume et soutien-gorge. L'ex-ambassadrice de Victoria's Secret a aussi fait une rapide escale à Paris pour assister à la soirée de lancement de la montre Big Bang DJ Snag de Hublot. Collaboration de la maison horlogère suisse et du français DJ Snag. La 78e Mostra de Venise s'achèvera samedi en septembre 2021. D'autres célébrités viendront rythmer la suite du festival.